Pour débuter ces news, on a de bonnes nouvelles avec les Game with Gold du mois de mai. Les abonnés Gold peuvent donc jouer gratuitement à Castle Storm Definitive Edition. Dans ce Tower Defense, vous allez choisir de diriger des chevaliers ou des vikings. Le but est de construire des bâtiments et d'augmenter le nombre de troupes avant de partir à l'assaut du camp adverse. Pool Nation FX est lui aussi toujours gratuit ce mois-ci. Si vous n'avez pas eu l'occasion de vous essayer à ces tables de billard virtuelles, c'est le moment ou jamais. Pour les joueurs de Xbox 360, c'est Mafia 2 qui est téléchargeable gratuitement, un bon scénario, des bonnes salves à la Thompson et des courses-poursuites dans les rues de New York, voilà qui devrait en réjouir plus d'un. Les membres Gold profitent aussi cette semaine de nouvelles réductions avec des bons plans Gold. Cette fois-ci, c'est Far Cry 4 qui est à l'honneur avec des réductions de 45% sur le jeu, 40% sur la version Gold et 33% sur le Season Pass. Si vous avez raté Assassin's Creed Unity, sachez que lui aussi profite d'une remise de 45%. De bonnes affaires pour des triple A à saisir sans plus tarder. C'est cette semaine qu'est sorti Wolfenstein The Old Blood, une aventure en 8 chapitres qui nous replonge dans l'enfer de la guerre. Ce préquel de Wolfenstein The New Order nous emmène en 1946 et les Allemands n'ont pas encore gagné la guerre. Il vous reste donc une petite chance d'empêcher cette catastrophe. Reprenant les codes du précédent opus, vous allez devoir alterner entre phases d'infiltration et combats plus conventionnels. En plus d'affronter des nazis déjà monstrueux, vous allez désormais devoir combattre des nazis zombies. Un retour aux sources de la licence Wolfenstein bien sympa. Vous aussi, vous avez passé votre jeunesse à faire des ollies et à grinder comme un dingue sans jamais monter sur un skateboard? Et oui, vous êtes bien un joueur de Tony Hawk. Vous serez donc heureux d'apprendre qu'un nouvel épisode va faire son apparition, Tony Hawk's Pro Skater 5. Pour le moment, assez peu d'infos ont filtré et nous savons juste que le jeu s'accompagnera de niveaux inédits. Nous aurons certainement plus d'infos fracassantes d'ici le 3. En attendant, vous pouvez toujours ressortir votre skate et vous échauffer les pouces. Rogue Legacy débarque officiellement sur Xbox One le 27 mai prochain. Annoncé en début d'année, ce roguelike profitera donc d'un portage sur Next Gen. La particularité de ce jeu, c'est qu'à chaque fois que vous mourrez, vous recommencez l'aventure avec un de vos descendants. Chacun d'entre eux aura des caractéristiques différentes qui peuvent s'avérer très très différentes des autres. Vous pourrez être un nain mage avec le syndrome de la tourette ou un ninja myope. La transmission des gènes est donc au centre du gameplay, mais en plus de changer de personnage, le donjon change à chaque partie. Vous profiterez donc d'une nouvelle expérience à chaque fois. Un bon gros délire avec la dose de rétro gaming qu'il faut. On vous recommande chaudement de l'accueillir dans votre ludothèque et prenez cela comme un conseil d'amis de la famille. Gigantique, le MOBA Free to Play va bientôt ouvrir une bêta. Le jeu sortira en cross-platform, c'est-à-dire sur Windows 10 et sur Xbox One. Pour le moment, aucune date n'a été annoncée, mais vous pouvez déjà vous inscrire pour participer à cette bêta en exclusivité sur Xbox One. Si vous souhaitez avoir toujours plus d'infos croustillantes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube XboxFR et sinon, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. À très vite et bon jeu à tous.